Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une séance de lecture compréhension. Tout d'abord, on doit reconnaître les objectifs attendus de cette leçon et qui sont être capable de connaître la structure et les caractéristiques d'un conte populaire, découvrir et revisiter les richesses du patrimoine culturel marocain. Maintenant, Ouvrez vos livres à la page 164. Qui peut me dire ce qu'il voit sur l'illustration? Deux enfants embarqués, accroupis sur un tronc d'arbre, emportés par le courant d'une rivière, et si on se concentre sur l'expression de leur visage, on voit qu'ils ont peur et les larmes leur coulent des yeux. Passons ensuite au titre de ce texte. Comme vous voyez, c'est... Les deux fils, deux. Il présente les deux personnages principaux de l'histoire, c'est-à-dire deux frères. Et bien sûr, l'auteur de ce texte est Régis Delpech. Maintenant, on passe à notre texte qu'on peut découper en deux parties. La première partie de la ligne 1 à la ligne 44. Et la deuxième partie de la ligne 45 à la ligne 69, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Donc d'après le titre, l'illustration et le texte, on peut se faire une idée sur quoi va parler le texte. Bien sûr, ce n'est autre que la suite et la fin du conte présenté avant dans le CD et qui parle de deux frères qui voulaient faire une récolte de fèves et de petits pois dans un champ qui appartient à l'ogresse Zériel. Malheureusement, l'ogresse les a surpris. Mais que va-t-il arriver à ces deux frères c'est ce qu'on va découvrir ensemble en lisant le texte suivant. Donc, fermez vos livres et écoutez-moi bien. Les deux fils, deux Une fois dans sa grotte, et après avoir refermé la porte, Zériel leur demanda « Que voulez-vous manger Du couscous de blé ou du couscous de cendre de couscous de blé, s'écria le simplet sans réfléchir. Très bien, fit l'ogresse dans un grand rire. Tu auras donc du couscous de cendre. Et toi Moi, je prendrai du couscous de cendre, répondit le rusé. Le repas terminé, ils allèrent se coucher. Le simplet s'endormit aussitôt. Le rusé, lui, ne put pas fermer l'œil. Ils savaient que jamais personne n'était sorti vivant de la grotte de l'ogresse mais ils savaient aussi que lorsqu'ils entendraient le bruit des animaux avalés par Zeriel, c'est qu'elle dormirait. Au milieu de la nuit, quand les brémons de l'âne s'échappèrent du ventre de l'ogresse, le Rusé réveilla son frère. Sans bruit, ils sortirent de la grotte. Et au moment de refermer la porte, le Rusé dit Fais bien attention à la porte. Alors le simplet enleva délicatement la porte de ses gants et la prit sur ses épaules. Ils coururent dans la montagne, le rusé devant et le simplet derrière à souffler sous le poids de la porte. Fais bien attention aux épines, dit soudain le rusé. En contournant un buisson, alors le simplet déposa la porte et prit le buisson d'épines sur son dos. Plus loin, une grosse pierre surplombait le sentier. Fais bien attention à la pierre, dit le rusé. Alors, le simplet déposa le buisson d'épines, prit la pierre sur son dos et il reprit sa course. Plus loin encore, un tronc d'olivier barrait le chemin. Fais bien attention au tronc, prévint le rusé en l'enjambant. Bon. Alors, le simplet déposa la pierre et prit le tronc sur son dos. Soudain, le rusé arrêta sa course. Devant lui, une rivière profonde et infranchissable, et au loin, les hurlements de l'ogresse qui se rapprochait. Désespéré, il se retourna vers le simplet. Mais quand il vit l'olivier sur le dos de son frère, il reprit espoir et s'écria :« Quelle bonne idée tu as eue, mon frère Pose-le sur la rivière et grimpe en dessus. » Emportés à une vitesse folle par le courant, ils n'entendirent bientôt plus les cris de l'ogresse. Plus tard, ils aperçurent les lumières du village. Tous les villageois étaient au bord de la rivière, torches à la main, prêts à partir à leur recherche. Les deux garçons dirigèrent tant bien que mal leur bateau de fortune vers la berge et se précipitèrent vers leurs parents. Chers parents, dirent-ils en cœur. Baissée. Nous avons menti et nous ne vous rapportons ni fèves ni petits pois. Je sais, mes fils, répondit la vieille mère, mais que nous importent fèves et petits pois puisque vous nous êtes rendus? Alors? Comme vous pouvez le constater dans la première partie qui commence de la ligne 1 jusqu'à la ligne 44, on parle de l'ogresse qui propose un menu pour le dîner aux deux frères, le simplet et le rusé. Et bien sûr, simplet veut dire bête ou idiot. Par contre, rusé veut dire malin et intelligent. C'est pourquoi le simplet a fait le mauvais choix et le rusé a fait le bon choix grâce à son intelligence. Et après le dîner, et contrairement à son frère, le rusé ne pouvait pas fermer l'œil, car il savait que personne n'était sorti vivant de la grotte de l'ogresse. C'est pourquoi il cherchait le moment idéal pour s'enfuir lui et son frère. Finalement, il a su que le bon moment c'était quand on entendait le bruit des animaux avalés par l'ogresse et qui signifie que cette dernière est en train de dormir. Alors, il a réveillé son frère et sans faire de bruit, ils sont sortis de la grotte. Mais le problème, c'est qu'à cause de son manque d'intelligence le simplet ne comprenait pas bien ce que son frère lui disait. Alors il a enlevé toute la porte au lieu de la fermer, et au lieu de faire attention aux épines il a pris le buisson d'épines sur son dos, la même chose pour la grosse pierre qui surplombait le sentier, il l'a prise sur son dos, et il reprit sa course. Aussi, au lieu de faire attention aux troncs d'oliviers qui barraient leur chemin, le simplet déposa la grosse pierre et prit le tronc sur son dos. Donc, on peut conclure que le simplet est idiot, mais il est très fort. Dans la deuxième partie, de la ligne 45 à la ligne 69, c'est-à-dire jusqu'à la fin du texte, on constate que le rusé arrêta sa course car il a trouvé devant lui une profonde rivière infranchissable, mais Heureusement, lorsqu'il s'est retourné vers son frère, il a vu le tronc de l'olivier sur son dos. Alors, il reprit espoir et demanda au simplet de poser ce tronc sur la rivière pour grimper dessus et s'enfuir des hurlements de l'ogresse qui se rapprochaient d'eux et grâce au courant qui les emportait à une vitesse folle, ils pouvaient enfin s'échapper à l'ogresse et un peu plus tard, ils ont aperçu les lumières du village et tous les villageois étaient au bord de la rivière avec leurs torches à la main, prêts à partir à leur recherche. Alors les deux garçons se précipitèrent vers leurs parents et leur demandèrent de les pardonner car ils ont menti et en plus ils n'ont apporté ni fèves ni petits pois. Et bien sûr, leurs parents étaient très heureux de les retrouver enfin. Et comme ça, on a fini l'explication du texte. Passons maintenant aux questions de la rubrique Je comprends l'histoire. Donc, pour la première question, où se trouvent les garçons au début du texte? Vous allez me dire qu'ils se trouvent dans la grotte de l'ogresse. La question 2, à ton avis, que va manger le rusé? Le couscous de cendre ou le couscous de blé? Pourquoi? Bien sûr, le rusé va manger le couscous de blé parce que l'ogresse fait le contraire de ce qu'on lui demande. La question 3. Comment le rusé sait-il à quel moment ils doivent s'échapper? Le rusé sait le moment du départ grâce au braiement de l'âne. La question 4. Quel objet le simplet prend-il sur son dos pendant la fuite? Le simplet prend quatre objets sur son dos. La porte, le buisson, la pierre et le tronc d'olivier. La question 5. Pourquoi prend-il ces objets? parce que son frère le lui a demandé? Ou, ou bien parce qu'il comprend mal ce que son frère lui dit? Bien sûr, parce qu'il comprend mal ce que son frère lui dit, et d'ailleurs on l'a mentionné à partir de son prénom, simplet qui veut dire idiot ou bien bête. La question numéro six, grâce à quel objet les enfants réussissent-ils à échapper à Adzeriel? Les deux frères ont réussi à échapper à Zeriel grâce au tronc de l'olivier. Et la dernière question, quelle est la réaction des parents quand les deux garçons reviennent enfin au village Qu'en penses-tu Les parents étaient heureux de voir leurs enfants revenir au village et leur pardonnent d'avoir menti. Pour la deuxième partie, qu'en penses-tu Je vous laisse réfléchir à la question. Et comme ça, on a fini la leçon d'aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.